Bonjour, bonsoir et bienvenue dans L'œuvre noire, le podcast de Métallurgie qui décrypte pour vous les références culturelles et artistiques du métal. Je suis Scalmax et on va encore passer un peu moins d'une heure ensemble pour cet épisode qui est un épisode hors série, donc qui est épisode de l'été, on n'a qu'à appeler ça comme ça, qui donc fait un petit peu la... Bon, on peut dire le bilan d'une première saison de L'œuvre noire. Donc déjà je suis très content d'être... arrivé jusque-là, d'avoir poussé un peu le truc, disons, depuis septembre dernier jusqu'à cet été, et donc je vais continuer avec grand plaisir à le faire. Donc c'est un format un peu différent, alors pour le podcast de manière générale, il y a d'autres choses qui se profilent, des choses très intéressantes que j'ai, des idées en tout cas qui me motivent beaucoup, mais comme actuellement je suis pas mal voilà, dans des cartons, dans des choses comme ça, c'est... pas évident de les mettre en place pour l'instant, mais ça devrait arriver très vite, j'espère pour peut-être le mois d'août ou septembre sûr. J'aimerais caler au moins un épisode qui va être un peu différent de ce que j'ai pu faire jusque là. Je peux pas en dire forcément plus, mais il y a des choses très intéressantes qui se profilent normalement. Et donc ici je vais faire un épisode un peu différent, encore une fois hein, hors série, que j'ai appelé tout simplement livre à écouter, disque à lire. Parce que j'ai envie de parler des bouquins que j'ai lus et que j'ai bien aimés, et que j'ai tendance, en lisant des livres, à toujours écouter de la musique à côté, c'est quasiment indissociable pour moi. Et donc j'avais envie de vous présenter trois livres que j'ai appréciés, et donc parler aussi des disques que j'ai écoutés en lisant ces bouquins-là. C'est quelque chose que j'aime bien faire, en tout cas j'essaye... Quand je commence un nouveau bouquin, d'essayer d'avoir en tête, de chercher peut-être dans une direction, de me dire ouais, telle musique ou tel groupe ou tel genre pourrait bien coller avec cette histoire. Alors parfois ça marche plus ou moins bien, on peut capter très vite l'ambiance d'un bouquin dès les premières pages, et puis faire tourner, choisir un album qui pourrait correspondre parfaitement et l'écouter tout du long. Ça a été le cas pour certains pour les trois bouquins que je vais présenter ici. Et puis d'autres fois, parfois il y a des rebondissements qui font que une histoire va avoir une autre aura, ou va changer d'atmosphère, d'ambiance au cours de l'œuvre. Donc le but c'est faire une association plat et vin entre guillemets, de vous donner en fait envie soit de lire les bouquins en question, ou on va dire que le point de départ c'est même essentiellement la musique. Si jamais vous connaissez certains de ces groupes, ou si vous en avez entendu parler, ou si le genre vous plaît, on peut se dire que les bouquins qui vont être présentés ici peuvent potentiellement vous plaire. Ça peut être une entrée, un point d'accroche en fait, à partir de la musique. Donc le but c'est pas nécessairement, enfin c'est même pas du tout de coller des concepts qui sont parfaitement similaires. Par exemple, je vais pas vous dire que j'ai lu Lovecraft en écoutant The Great Old Ones, parce que là c'est vraiment un groupe qui s'inspire de manière littérale, et donc là c'est vraiment associer des choses que instinctivement j'avais envie de mettre ensemble. Il n'y a pas nécessairement un concept qui relie l'œuvre musicale et littéraire. Donc on va parler de trois bouquins, et on va parler question musique essentiellement de black metal. Alors désolé pour les non-adeptes du genre, c'est quelque chose qui revient de toute façon quasiment dans tous les œuvres noires, et le black metal, c'est un incontournable pour moi personnellement. Et puis ça s'y prête bien, mine de rien, à la lecture, quoi. C'est quand même un genre sur lequel on peut avoir des choses assez planantes, ou des choses assez introspectives, ou noires, ou sombres, etc. Et donc, forcément, ça peut bien coller pour une lecture. Et donc, on va parler de black metal, et on va parler de Wolves in the Throne Room, pour commencer, avec le que j'ai associé avec le livre Frankenstein, de Mary Shelley. On en avait parlé brièvement dans l'épisode sur Prométhée, et pour cause, puisque Frankenstein, c'est l'histoire d'un jeune scientifique qui cherche à insuffler la vie à un être qui est créé à partir de restes humains, donc un scientifique qui a des ambitions qui sont quand même assez démesurées, et il parvient, mine de rien, à réaliser son œuvre et à créer un monstre. Donc ce docteur crée un être vivant à partir de restes humains.
Donc c'est évidemment, et je crois que je l'avais dit déjà à l'époque de cet épisode sur Prométhée, déjà le bouquin est sous-titré Frankenstein ou le Prométhée moderne, donc là-dessus je vous renvoie à l'épisode 2. C'est un bouquin qui est éminemment black metal, c'est un homme qui cherche à... c'est un scientifique qui joue à être Dieu, et donc de base, de toute façon, c'est un livre qui se prête forcément à quelque chose d'assez sombre, d'assez mystique aussi. Mais c'est pas spécialement pour ça que j'y ai associé Wolves in the Throne Room, donc, qui est un groupe, pour le coup, de black metal américain, et qui est très porté sur la nature. Et en fait, dans... Frankenstein, donc l'action se situe majoritairement en Suisse, en Europe, et aussi au pôle Nord. On a des descriptions avec des vastes étendues naturelles où notamment le docteur Frankenstein va aller trouver du réconfort ou parfois partir à la recherche même de son monstre qui lui a échappé et qui commence à forcément causer des dommages autour de lui. Et donc c'est vraiment à la fois ces paysages naturels qui sont très, très grandiloquents, très beaux, et le tout mêlé dans une ambiance, dans une histoire gothique, hein, clairement. Ça rend la chose justement assez belle et inquiétante. Enfin voilà, on a quelque chose d'assez sublime pour reprendre le vocabulaire du gothique. Et donc j'y ai associé essentiellement l'album Two Hunters, qui est un album de 2007, une époque où Wolves in the Throne Room donc, jouait encore un black metal assez mordant, assez obscur. Ils avaient quand même ce côté nocturne, je trouve, même dans leur musique, qui a un petit peu disparu sur les deux derniers albums, je dirais. Et donc ils jouent des morceaux longs. Cet album-là, notamment, il est composé de 4 titres seulement, et dont le dernier qui dure 18 minutes, donc on est vraiment sur une grosse tendance atmosphérique, une grosse tendance voilà, qui va chercher à partir dans des longs développements, à boucler sur des riffs, inconsciemment ou non, je sais pas trop, mais le bouquin, donc Frankenstein, je l'ai dit, il y a beaucoup de nature, etc., et Wolves in the Throne Room, il se trouve que ce groupe-là a aussi un rapport assez fort avec la nature. C'est un groupe qui revendique totalement ce lien. Il me semble que les membres du groupe, en tout cas à une époque, vivaient dans une sorte de ferme plutôt reculée, je crois que c'est dans l'Oregon ou l'État de Washington, en tout cas un État plutôt sauvage et au nord du pays, où ils allaient y revendiquer totalement le fait d'être au contact de la nature le plus possible, d'être éloigné de la ville, de la civilisation. Et donc, forcément, c'est deux choses qui collent parfaitement. Entre Frankenstein qui est perdu dans ces montagnes suisses ou voire même au pôle Nord et cet album Two Hunters donc qui fonctionne très bien, qui a ce côté à la fois très sombre, très beau et qui rappelle cette quête du docteur qui est à la recherche d'un monstre qui lui a échappé. Ça a des conséquences terribles forcément pour le commun des mortels. La journée suivante, je la passais à errer au milieu de la vallée. Je m'arrêtais près des sources de l'Arveyron qui sortent d'un glacier et descendent lentement le long des montagnes, comme pour barricader la vallée. Les flancs abrupts des hauts sommets se dressaient devant moi et j'étais dominé par un mur de glace. Alentour, gisaient quelques sapins fracassés. Le silence solennel qui régnait dans ce glorieux sanctuaire de la nature n'était brisé que par le tumulte des eaux, la chute de quelques gigantesques fragments de roc, le grondement d'une avalanche ou l'écho répercuté à travers les montagnes, du craquement de la glace accumulée qui, travaillant en silence selon des lois immuables, éclatait et se brisait de loin en loin, tel un jouet entre ses mains. Ces paysages sublimes et magnifiques m'apportaient la plus grande consolation dont je pouvais bénéficier. Ils m'élevaient au-dessus de la petitesse humaine, et même s'ils n'effaçaient pas mes peines, ils me fascinaient et m'apaisaient. Dans une certaine mesure aussi, ils m'éloignaient des pensées dont j'avais tant souffert ces derniers mois. Je ne rentrais pour dormir qu'à la nuit tombante et mon sommeil était comme protégé par des innombrables paysages que j'avais admirés pendant toute la journée. Ils se réunissaient autour de moi, la neige inviolée des hauts sommets, les pics éclatants, les sapins, le ravin nu, l'aigle planant parmi les nuages, tous groupés pour me donner la paix. Mais où était-il passé le jour suivant à mon réveil? Le calme de mon âme avait été englouti dans mon sommeil et une sombre mélancolie s'empara de mes pensées. La pluie tombait à torrents. D'épaisses brumes dissimulaient les sommets des montagnes, au point que je ne pouvais même plus voir le visage de mes meilleurs amis. Mais il m'était possible de franchir leur voile nuageux et de retrouver leur obscure retraite. Qu'étaient pour moi la pluie et l'orage?
Ma mule fut amenée devant la porte et je décidai de gravir le sommet de Montanvert. Je me souvenais de l'effet qu'elle avait produit sur moi la première fois que je l'avais vue, l'extraordinaire glacier en perpétuel mouvement. J'en avais ressenti une extase sublime qui avait donné des ailes à mon âme et m'avait éloigné du monde ténébreux pour me conduire vers la lumière et la joie. La vision de ce que la nature avait de grandiose et de majestueux m'ébranlait toujours l'esprit et me faisait oublier les soucis de l'existence. J'étais déterminé à partir sans guide car je connaissais fort bien le chemin. Au reste, la présence d'une autre personne aurait détruit la grandeur solitaire du paysage. Deuxième présentation à présent, on va passer à un... toujours dans le registre du black metal. Vous savez, c'est l'été, c'est la saison parfaite pour en écouter, bien évidemment. Donc on va pas parler d'une œuvre de fiction, pour le coup, plutôt d'une œuvre de vulgarisation scientifique. Le livre en question s'appelle Cosmogonie, il est signé Julien Duy, et je l'ai associé à un groupe allemand qui s'appelle The Rains of Beverast, qui est un one-man band qui officie dans du black assez lent, du black doom, etc. Et donc, pourquoi avoir associé les deux? Alors, on va peut-être parler d'abord de Cosmogonie, qui est une lecture que j'ai faite parce que je m'interrogeais sur les mythes, notamment les mythes, les archétypes qui existent entre différentes cultures. Et en fait, ce livre, Cosmogonie, est sous-titré « La préhistoire des mythes ». En fait, il s'interroge sur... Il répond à la question que je me posais, à savoir comment est-ce que des mythes ou des archétypes ou des histoires, des contes pouvaient se retrouver dans différentes cultures, sachant que ces cultures étaient éloignées géographiquement, voire éloignées dans le temps, et qu'elles n'avaient pas possibilité de communiquer entre elles. Par exemple, on peut parler de l'histoire du petit chaperon rouge qui existe en Europe, mais il se trouve que cette histoire du petit chaperon rouge existe aussi en Afrique ou en Asie, et avec des formes un peu diverses, avec des formes un peu variables. Et donc la question, c'était, enfin en tout cas ma question personnelle, c'était pourquoi, comment est-ce que c'était possible justement? Et en fait c'est le cas de nombreux contes qui, en définitive, si on prend un peu de recul, sont des leçons de vie, des sortes de morales finalement qui manient des archétypes, et donc c'est intéressant de se demander comment est-ce que dans des cultures diverses on a pu arriver à des mêmes conclusions, ou comment on a pu créer des histoires qui étaient similaires justement pour donner des morales qui sont similaires aussi. J'ai pas fait de recherche poussée là-dessus, mais je pense que ce que les enfants sont censés retirer de ce genre de conte, c'est ne pas s'adresser à n'importe qui, être méfiant, etc. Et donc, de savoir que ce genre de conclusion ou ce genre d'histoire a été repris dans différentes cultures, c'est en tout cas, ça m'intéressait. Donc tout ça, ça nous fait revenir à la préhistoire, à des moments où on ne comprend pas forcément le monde, un moment où l'humanité ne comprend pas le monde qui l'entoure, et va tenter de l'expliquer justement avec des mythes, avec des dieux, avec des histoires orales, etc. Et donc c'est dans ce genre d'ambiance que nous plonge... The Rains of Beverast avec leur dernier album en date à l'heure actuelle qui s'appelle The Thule Grimoires, donc les grimoires de Thule. Ça tombe bien, on en avait parlé dans le dernier épisode justement sur les continents disparus. Et donc dans cet album là, alors on s'en rend compte en lisant les paroles, mais aussi avec ça a confirmé un peu ce que je pensais avec une interview du compositeur principal qui parlait de cet album-là, justement, où il explore un peu des lieux mythiques, des lieux anciens, où la nature et le monde, de manière générale, restent très mystérieux. On a des références, justement, on l'a dit, à Thule, on a des références à Éden, donc le jardin d'Éden. On nous parle d'un morceau qui s'appelle Mammoth Polis, donc qui est donc la ville des mammouths. Donc on est vraiment sur des temps très anciens, des choses un peu nébuleuses, et donc la musique s'en ressent aussi. Alors ce groupe là avait déjà sorti un album un peu de la même saveur en termes de thématique, en tout cas avec l'album d'avant qui s'appelait Exuvia, où ça se focalisait, alors
En tout cas, selon la pochette et selon musicalement, en tout cas, ça semblait se focaliser sur les rites amérindiens, des rites un peu primitifs, etc. Et donc, on est sur ce genre de. Sur ce genre d'ambiance assez mystérieuse et assez mythique qu'on retrouve justement sur cet album The Fully Grimoire, donc qui va réutiliser du black metal, du doom et une grosse touche gothique. Alors vous pourrez pas le rater, c'est l'album avec une pochette verte typo négative parce qu'il y a vraiment un côté une saveur un peu goth dessus qui je trouve marche très bien. C'est pas l'album le plus apprécié de leur discographie. Il n'a pas forcément fait l'unanimité à sa sortie. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé parce qu'il dégage notamment ce côté très solennel et que cet aspect mythique, cet aspect voilà, de lieux anciens qui est développé dans les paroles et qui se ressent, je trouve, dans la musique. En tout cas, j'ai été influencé à le penser comme ça, cet album-là. Il colle tout à fait avec cette idée de voilà, d'aller explorer les débuts de l'humanité, d'aller explorer un peu ce que les croyances anciennes surtout. Dans cet album, en plus, il y a des morceaux assez longs, une aura plutôt voilà, primitive. On a le morceau notamment Anchoress in Fuzz, qui est donc on a un chant féminin qui est assez glaçant, je trouve, qui est assez voilà, très très primitif, très presque tribal par moment, qui rend la chose vraiment très ben, vraiment prenante et on se prend au jeu d'être à une époque où très peu de choses sont expliquées. Et c'est vraiment un cadre parfait, je trouve, pour remonter le temps, pour oublier un peu la rationalité, se replonger dans des histoires fantastiques que l'humanité tenait pour vraies il y a de ça encore des millénaires. Et donc je trouve que le black metal est une musique parfaite pour se replonger dans cet état d'esprit où ce qui nous paraît aujourd'hui être du fantastique constituait la réalité ou constituait la rationalité de ces premiers hommes et de ces premières femmes qui existaient il y a des millénaires. Commençons par un récit recueilli vers 1931-1932 par Karl Etter chez les Ainu au Japon. Quand le Créateur voulut façonner l'humanité, il envoya le moineau demander au Dieu du Ciel en quoi la faire. La réponse fut « en bois ». Plus tard, le Dieu du Ciel changea d'avis et envoya la loutre dire qu'il fallait plutôt prendre de la pierre, mais sur son chemin, la loutre trouva un point d'eau plein de poissons qu'elle se mit à poursuivre. Elle y passa tant de temps qu'elle arriva alors que l'humanité avait déjà été créée. Le dieu du ciel, en colère, la frappa sur la face, qui est très laide depuis lors. C'est pourquoi les humains, faits de bois, sont mortels et doivent toujours naître encore et encore. Très loin de là, au Mexique, Cenaro González Cruz a noté dans les années 80, de la bouche d'un habitant du Mecayapan, au sud de Veracruz, une histoire contée en nahuatl et dont voici un résumé. Tamakatsin envoie un petit lézard dire à sa mère de rire, chanter et danser quand reviendra son père mort, qu'il est allé ressusciter. En chemin, le petit lézard en rencontre un autre, plus gros, qui affirme être plus rapide que lui et qui propose d'y aller à sa place. Le petit lézard accepte volontiers, mais l'autre, à son arrivée, dit à la mère de se lamenter et pleurer, ce qu'elle fait dès qu'elle voit son époux revenir. Apprenant cela, Tamakatsin châtia le gros lézard en lui coupant la langue en deux, mais les humains étaient désormais mortels. Changeons encore de continent. Au début du XXe siècle, chez les San du Nord, vivant dans la région de Kalahari en Afrique australe, le révérend Dornan a entendu l'histoire suivante, expliquant pourquoi le lièvre a la lèvre fendue. L'une voulait envoyer un message aux premiers humains, pour leur dire qu'à son exemple, ils mourraient, mais que les morts revivraient. L'une appela donc Tortue, lui disant « Va vers ces hommes là-bas, et donne-leur ce message de ma part. Dis-leur que, tout comme je meurs et revis, ils mourront et revivront. » Tortue marchait très lentement et se répétait sans cesse la phrase pour bien s'en souvenir. Mais Tortue finit par l'oublier et retourna demander à la Lune de la lui répéter. Lune se fâcha de cette lenteur et de cet oubli, puis appela le lièvre et lui dit « Tu es un coureur rapide, transmets ce message aux hommes qui se trouvent là-bas. Comme je meurs et vis à nouveau, ainsi vous mourrez et vivrez à nouveau. » Lièvre se mit en route, mais dans sa grande hâte, oublia le message lui aussi et ne voulant pas l'avouer à Lune, transmit la phrase aux hommes de cette façon. Comme je vis, vous mourrez pour toujours. Tel était le nouveau message.
Entre-temps, Tortue se remémorant la missive originelle, avait recommencé une seconde fois en se disant « Cette fois, je ne l'oublierai pas ». Elle arriva à l'endroit où se trouvaient les hommes et leur délivra son message. Quand les hommes entendirent cela, ils furent très en colère contre Lièvre, qui était assis à une certaine distance, broutant l'herbe après sa course. L'un d'eux courut, souleva une pierre, et la lança vers Lièvre. Elle le frappa en plein sur la bouche et fendit sa lèvre supérieure, qui est restée ainsi depuis lors. Et d'aucuns disent en Lituanie que Dieu envoya l'escargot dire aux gens qu'ils ne mourraient pas, et le lézard leur dire qu'ils mourraient. C'est ce dernier qui arriva le premier, de sorte que les hommes sont mortels. Ce sont là quatre récits brefs notés en des lieux très distants des uns et des autres, sur plusieurs continents, et pourtant ils présentent un air de famille certain. Tous lient l'origine de la mort à la faute d'un messager chargé de livrer un message de vie éternelle, mais qui a failli à sa mission. Parfois le message a été modifié, parfois il y a deux messages rivalisant de vitesse, et il arrive 3 fois sur 4 que le fautif soit puni à la face, ce qui explique l'une de ses caractéristiques physiques actuelles. Les exemples de ce type d'histoire pourraient être aisément multipliés, car il en existe des dizaines, mais ceux qu'on vient de lire suffisent à illustrer un problème qui défie les mythologues depuis bien longtemps. Comment expliquer de telles ressemblances entre des récits aussi éloignés dans l'espace, et parfois également dans le temps ? Voilà, donc c'était un extrait de la préface de Cosmogonie par Julien Duy. Alors une dernière chose dessus, sachez que même si c'est pas un bouquin de fiction, même si c'est un bouquin qui a des bases forcément, qui se base sur la science et sur la phylogénétique des mythes, donc c'est la discipline particulière qui est utilisée ici. Je suis pas du tout un scientifique pour le coup, et j'ai été totalement en mesure de comprendre ce qu'il y avait, de comprendre le contenu et de trouver ça très intéressant. Donc si vous aimez ne serait-ce que voilà cette histoire de, si vous êtes questionné aussi par cette histoire de mythe, si vous aimez l'histoire notamment, ou si vous aimez la littérature ou les contes ou les récits oraux notamment, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant, je trouve. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce que cet auteur va sortir par la suite. S'il y a d'autres choses du même style, je serais très curieux de lire tout ça. Et pour terminer, on termine avec un bon pavé, à savoir Le Pendule de Foucault de Umberto Eco, qui est, donc on retourne dans la fiction cette fois-ci, et on retourne dans le black metal, puisque ce bouquin-là, je l'ai lu en écoutant du Dodd Heimsgard, plus précisément le dernier album du groupe qui s'appelle Black Medium Current, qui est sorti cette année. Donc avant de vous en dire plus sur Dodd Heimsgard, on va parler du Pendule de Foucault. C'est un livre qui est assez long, mais qui m'a vraiment mis une bonne grosse claque. Umberto Eco, c'est lui qui a aussi écrit Le Nom de la Rose. Et donc avec Le Pendule de Foucault, on reste dans une aura de mystère qui aura parcouru un peu tout le podcast finalement. C'est quelque chose que j'aime bien de manière générale dans mes lectures, et quelque chose qui en plus s'associe parfaitement avec du black metal, ça tombe bien. Donc dans cette histoire, on est en Italie au XXe siècle, et on suit un homme qui s'intéresse aux Templiers en tant qu'universitaire au début pour ses recherches. Il s'intéresse aux fameux chevaliers qui étaient à l'époque des croisades, appelés les Templiers. Et en fait, ils se rendent compte qu'il existe un imaginaire assez fourni autour de ces guerriers. Donc dans les croisades, en fait, ces chevaliers auraient dévié de leur mission divine. Ils seraient allés à Jérusalem, et par différents hasards, ou pas d'ailleurs, il se serait dévoué totalement à Baphomet, donc un démon, et donc il serait passé du côté obscur, quoi. Si on synthétise un peu tout ça, ils auraient fondé un ordre secret ensuite. Et donc à partir de cette histoire-là, donc ce personnage universitaire va commencer à fréquenter une maison d'édition. Parce que voilà, il commence à parler autour de lui des histoires des Templiers, il faut qu'il se renseigne aussi sur ces sujets-là. Et il va se faire des nouveaux amis qui travaillent dans cette maison d'édition et qui sont aussi intéressés par ces histoires-là,
et qui, en fait, au début, ne prennent pas les choses vraiment au sérieux. En tout cas, ils restent très sérieux et très méthodiques sur cette histoire de Templiers, puisque bah, factuellement, c'est des chevaliers qui ont existé. Il y a des événements qui sont relatés dans le bouquin, dans l'action du bouquin, qui se sont totalement déroulés. Là, il y a aucun souci là-dessus. Mais ils gardent quand même une certaine distance critique vis-à-vis de ça. Ils s'amusent en fait, ils s'amusent ensemble à monter de toutes pièces une sorte de théorie du complot. Et donc pour étoffer leur théorie autour des Templiers, les différents personnages qui travaillent pour cette maison d'édition vont y associer en fait toutes sortes de... vont assembler comme une sorte de grand puzzle et vont recoller les morceaux entre différentes théories du complot. On a dit les Templiers, mais ça peut être aussi... je pense qu'il est question à un moment ou un autre des Illuminati, on nous parle des francs-maçons, etc. Donc ils nous font tout un micmac historique, ils recollent les morceaux entre eux pour ne faire qu'une seule et même lignée ou qu'une seule et même histoire entre toutes ces conspirations qu'on a pu retrouver au fur et à mesure, qu'on peut retrouver à différentes étapes de l'histoire. Eux vont s'amuser à faire le lien entre toutes celles-là pour arriver jusqu'à leur époque, à savoir l'Italie du XXe siècle, où, selon eux, il pourrait y avoir toujours des héritiers de ces complots là, de ces sociétés secrètes finalement, puisque c'est ça qu'ils cherchent, ce sont des sociétés secrètes. On arrive à leur époque et aussi bien des héritiers des Templiers peuvent très bien franchir la porte, se rendre compte que leur secret a été découvert, se venger, etc. Donc, si bien que ce qui ressemble à une blague au début commence à devenir peut-être de plus en plus tangible et de plus en plus effrayant aussi, et même pour le lecteur. Moi, je sais que j'ai ressenti un certain malaise quand même par moments où on se dit, mais ce qui paraît lointain et farfelu au début devient de plus en plus tangible. Alors, sans bien sûr céder à cette théorie du complot, parce que ça reste qu'une œuvre de fiction, et puis on le voit à différents moments, il y a vraiment des choses qui sont très. Des choses qui sont vraiment perchées, quoi, en termes de. En termes d'idées, enfin, pour le coup, l'imagination de l'auteur est débordante là-dessus, quoi. Mais on a vraiment ce côté, ce petit frisson de se dire, ah, si c'était vrai, ce serait terrifiant. Et donc, ce qui fait que ça colle vraiment bien avec ce disque de Damsgaard, qui donc mêle à la fois du black metal et ce côté à la fois foutraque, instable. Un peu malaisant aussi, parce que musicalement, de Damsgaard, c'est donc du black avant-garde qui va utiliser notamment des voix claires un peu étranges pour si jamais certains situent, c'est le chanteur de Veldwebensee, donc qui est un autre groupe aussi de black metal qui, pour le coup, des années 90 et dans lequel il y avait des voix claires pareil, très. Un peu fantomatique, un peu étrange, des choses pas harmonieuses et plutôt inquiétantes. Et là, on retrouve vraiment ce même genre d'ambiance du coup, puisque c'est le même chanteur et associé à voilà parfois des guitares clean qui choisissent volontairement des harmonies dérangeantes, rampantes, etc. Parfois des incursions électroniques qui sont un peu inattendues. Donc ça, c'est vraiment le propre de Damsgaard d'être assez surprenant, justement, d'offrir des morceaux plutôt longs et qui peuvent vriller à tout moment. Et donc ce côté inattendu, ce côté imprévisible, finalement, colle bien. Je trouve que à la fois le bouquin et l'album se sont nourris l'un l'autre pendant la lecture et pendant l'écoute, puisque à la fois ça donnait une coloration à l'album et ça donnait aussi une ambiance au livre. Donc j'ai vraiment apprécié d'avoir eu le flair ou d'avoir essayé d'associer les deux. Justement, je suis très content d'avoir lu ce bouquin qui m'a beaucoup marqué avec cet album-là. «
À présent, la modernité entière nous apparaissait parcourue de taupes laborieuses qui perçaient le sous-sol, épiant la planète par en dessous. Mais il devait y avoir quelque chose d'autre, une autre entreprise que les Béconiens avaient mise en route, et dont les résultats, dont les étapes étaient sous les yeux de tout le monde, et personne ne s'en était rendu compte. Car en forant le sol, on sondait les couches profondes, mais les Celtes et les Templiers ne s'étaient pas limités à creuser des puits. Ils avaient planté leurs fiches droit vers le ciel pour communiquer de mégalithe à mégalithe et recueillir les influx des étoiles. L'idée se présenta à Belbo par une nuit d'insomnie. Il s'était mis à la fenêtre et avait vu au loin, au-dessus des toits de Milan, la lumière de la tour métallique de la RAI, la grande antenne de la ville. Une sobre et prudente tour de Babel. Et là, il avait compris. La tour Eiffel, nous avait-il dit le matin suivant. Comment n'y avoir pas encore pensé? Le mégalithe de métal, le menhir des derniers Celtes, la flèche creuse plus haute que toutes les flèches gothiques. Pourquoi donc Paris aurais-tu besoin de ce monument inutile? C'est la sonde céleste, l'antenne qui recueille des informations de toutes les fiches hermétiques enfoncées dans la croûte du globe, des statues de l'île de Pâques, du Machu Picchu, de la liberté de Bedloe's Island, prévue par l'initié Lafayette, de l'obélisque de Luxor, de la tour la plus haute de Thomar, du colosse de Rhodes qui continue à émettre des profondeurs du port où plus personne ne le trouve, des temples de la jungle brahmanique, des tourelles de la Grande Muraille, du Fête Deus Rock, de la flèche de Strasbourg où se permet l'initié Goethe, des visages du Mont Rochemort. Que de choses avait compris l'initié Hitchcock, de l'antenne de l'Empire State. Dites-vous donc à quel empire faisait allusion cette création d'initié américain, si ce n'est à l'empire de Rodolphe de Prague. La tour capte des informations du sous-sol et les confronte avec celles qui proviennent du ciel. Et qui est-ce qui nous donne la première terrifiante image cinématographique de la tour? René Clair dans Paris qui dort. René Clair, RC. Il fallait relire l'histoire entière de la science. La compétition spatiale elle-même devenait compréhensible avec ces satellites fous qui ne font rien d'autre que photographier l'écorce terrestre pour y repérer des tensions invisibles, des flux de sous-marins, des courants d'air chaud, et pour se parler entre eux, parler à la tour, parler à Stonehenge. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu différent, qui revient sur mes lectures. Je me rends compte que j'ai de plus en plus envie de parler de ce que je lis que de ce que j'écoute. Donc c'est peut-être quelque chose qui reviendra plus tard. Si je trouve d'autres bouquins que j'ai qui collent bien avec des albums, c'est quelque chose que je pourrais refaire éventuellement. Ça m'intéresse aussi grandement si vous avez, vous, lu des bouquins que vous avez associés à un album en particulier ou à un groupe ou à un style musical. Je serais très curieux d'entendre parler de ça, de lire vos commentaires là-dessus. Pourquoi pas tenter l'expérience aussi si c'est quelque chose que j'ai pas lu avant. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Vous avez de quoi lire, de quoi écouter pour un bon moment, je pense. Donc je vous rappelle les bouquins en question. Le premier, c'est Frankenstein de Mary Shelley, que j'ai écouté avec Wolves in Astronome. Le deuxième, c'est Cosmogonie de Julien Duy, que vous pouvez trouver aux éditions La Découverte, très bonne maison d'édition qui a d'autres bouquins très intéressants également sur d'autres sujets, mais pareil sur des sciences, que ce soit des sciences sociales notamment. Donc je vous recommande celui-là tout particulièrement. Il est passionnant ce livre-là, donc de Julien Duy, Cosmogonie. Et pour terminer, Le Pendule de Foucault de Umberto Eco, que j'ai associé avec The Dames Guard. Donc celui-là vous pourrez le retrouver dans différentes éditions sans aucun problème. Je vous laisse là-dessus, passez un très bon été, lisez des livres et écoutez des disques. Salut!